Le sommeil du juste. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi ? Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis, ce que t'as livré à la CIA, ce que t'as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que t'as aussi pu collaborer avec Daesh. En même temps, tu t'en es sorti. Un miracle. On peut se poser des questions. Mais on connaît le nom de ce miracle. C'est Henri Duflo. Tu sais que t'en as fait un martyr. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques. Ça va ? Ça va très bien. Il y a un médecin qui va venir t'examiner. Et puis, les entretiens vont commencer. Il y a beaucoup de gens qui veulent te parler. Bureau Syrie, contre-terrorisme, Bureau Russie, bien sûr. Direction technique. Moi, je leur dis, hola. Hola, on va d'abord assurer les bases. Je me pose une question et j'arrive pas à trouver la réponse. Pourquoi t'ont-ils laissé partir ? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent de moi ? Mais c'est bien ce que je me dis. Tu leur es plus utile ici. Ici ? Ben, ils pensent peut-être que ça va pas durer longtemps. Tu leur as laissé entendre qu'il y avait une chance que tu reviennes travailler à Mortier ? Pourquoi pas ? Ça pouvait les convaincre de me laisser partir. Mais ils te laissent revenir. Tu restes quelques mois ici. Et ils reprennent contact quand tu reprends du service. Pourquoi j'aurais pas dit ça ? Ben, ils nous prendraient vraiment pour des imbéciles. Ce qui n'est pas le cas. Et j'en reviens donc à ma question. Pourquoi t'ont-ils laissé partir ? Tu vois, il y a un truc flou. Ils ne nous prennent pas pour des imbéciles, mais tu as réussi à les convaincre. Comment ? Tu vas trouver. C'est toi qui m'as appris à convaincre les gens. Tu fais du sarcasme. Pas sûr que ce soit une bonne méthode. Être agressif pour paraître innocent, c'est toi qui m'as appris. De quoi tu te souviens encore ? De tout. J'ai tellement tout mis en pratique que c'est devenu une seconde nature pour moi. Enfin, je t'ai pas appris à te retourner contre nous. Non, ça, c'est moi tout seul. Mais c'est ton horizon, pour des années. Est-ce que j'ai un droit de visite ? Tu veux voir ta fille. Ça va prendre du temps avant qu'on ait envie de t'accorder ça. Pourquoi ? Mais tu nous coûtes déjà cette planque, plus plusieurs gars pour te surveiller. Une rencontre avec ta fille, c'est de l'organisation et n'a pas beaucoup d'énergie pour ça.